Bonjour Madrimbo, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas à liker, vous abonner, appuyer sur la cloche et commenter. Et merci beaucoup pour les 1500 abonnés. Cœur, je vous aime tous. 3, 2, 1, action! S'il vous plaît, est-ce que la police est là? S'il vous plaît, un shérif ou quelqu'un? Oui, on est là, ça, c'est bon, calmez-vous. Quelqu'un voudrait vous voir? Faites l'entrée. D'accord. Avancez ici. Qu'est-ce qui vous amène encore? S'il vous plaît, il y a mes deux filles qui se sont fait kidnapper. Encore des kidnappages, oh là là. Bon, je peux rien faire pour vous. On doit faire quelque chose. Eh bien, est-ce que je vous ai parlé? Allez vous rasseoir. D'accord. On peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi penser. Je sais. Je vais vous aider. Moi aussi. Bon. Moi aussi. Qu'est-ce que vous faites? Je suis le chef et je suis le shérif. Personne n'aide personne. D'accord? Mais on est la police. On doit l'aider. Bon. Moi, je vais aller chez moi. Et vous? Et... Allez voir. Anna, tu seras en contrôle du poste de police. Au revoir. J'en ai marre. D'accord. Bon, c'était mal, chef, maintenant. Et on va aider cette dame. Je m'appelle Rimbaud. Ah, cette... Madame Rimbaud. C'est parti. Attendez. Où est mon carnet? Il est là. Josh. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous savez comment je ressemble? Oui, c'est des jumelles. Une a des cheveux foncés, une a des cheveux clairs. Et c'est brun. Elles ont la même couleur de peau que moi. Elles sont habillées en violet et jaune. Avec des chaussettes roses et des chaussures. Je m'en rappelle plus. C'est tout. Est-ce que vous savez peut-être qui ça peut être? Pour l'instant, je crois que c'est la sœur du shérif. Quoi? Alors, c'est peut-être elle, ou peut-être c'est un de son ami. C'est un vieux monsieur, et il y a deux gens qui m'ont dit que c'était un vieux monsieur et qu'il portait des lunettes et un chapeau. Et la dame porte des lunettes et un chapeau. Qui? Colette? Oui. Elle est venue à s'être introduite chez moi dans l'anniversaire à ma fille Iris qui a maintenant 10 ans. oui. Et voilà. D'accord. Ok. Voilà. Ok, on va faire les recherches. On va chercher partout où vous étiez quand le kidnapping s'est passé. On était en ville, en ville. Quelle ville? Comment ça, quelle ville? Il y en a plein des villes ici. Dans où il y avait plein de restaurants. Ah d'accord, cette ville-là. Cette ville. Ville. Ok, on va y aller chercher tout de suite. Est-ce que je peux vous aider, s'il vous plaît? Non. Je veux dire des infos. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Oui. Le voici. D'accord, c'est noté. Je vous appellerai en cas d'urgence. Ou si on a retrouvé les filles. Je crois qu'elles peuvent nous aider. Comme ça ira plus vite.
c'est pas une mauvaise idée. D'accord. Merci. Alors, bah on y va. Oh oui, je finis juste mon café. Moi aussi. On peut y aller maintenant. D'accord. On y va aussi. Du calme, du calme. Ah, oh, tac, tac, tac. Qui est-ce là? C'est moi. C'est moi qui? 4, 6, 3. Entre. Pose-le là-bas. Bien, bien, bien. Vous me reconnaissez pas? Je suis Colette. J'entends rien. Bon, on va enlever le sketch maintenant. Mais laissez-nous partir. Non, non, non. Il faudrait que votre maman me... Vous savez, donne la maison peut-être. Oh, oui, dans ce cas, tu sais. On vous donnera jamais notre maison. C'est bon, je vous ai enlevé le scotch. Eh bien, ils ne pouvons plus vous revoir. C'est dommage. Laissez-nous partir. Au secours! Au secours! Hein? Attends, c'est la voix de Crystal. Vite! Revenez, revenez! Hein? On arrive. Qu'est-ce qu'il y a? On a entendu des cris et je crois que ça vient de Cristal. On y va. D'accord. D'accord, on y va alors aussi. Vite, vite, vite. On doit la secourir. On y va. Ouvrez la porte tout de suite. Qui est là-dedans? Ils vont nous voir. Au secours, au secours. C'est nous, Crystal et Christy. Aidez-nous, aidez-nous. Ouvrez la porte tout de suite. Ils doivent nous échapper. Hein? Oh là, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ouvrez la porte! Aïe! Crystal, Christy, est-ce que tu es à l'intérieur? Oui! Au secours! Au secours! Ah, alors vous serez bien, bien, bien en prison. Allez, hop, on y va. Ah, vous allez payer pour vos conséquences. Et vous aussi, monsieur. Allez, en prison, vous deux. Et voilà. Tu surveilleras. Enfin, maman. J'avais si peur. Ça va aller. On rentre à la maison maintenant. Bon, j'espère que la prochaine fois, vous serez plus attention. Oui, on vous le promet. Bien, on va rentrer. Y aller au commissariat. Au revoir.
Merci de nous aider. Il n'y a pas de problème. Eh ben, longue journée. On rentre à la maison. Allez hop. En plus, on n'a même pas déballé nos bagages. Bon, vous allez déballer vos bagages, les filles. Et je vais préparer à manger, d'accord? Hop, je vais laisser ça au-dessus ici et préparer à manger. Et on n'a pas beaucoup de choses à manger, mais je crois que je pourrais faire quelques trucs avec tout ça. Bon, allez hop, on déballe. Alors, je vais prendre le coin ici. Je crois que ce sera bien. Hop, oh, je mets mes vêtements de l'autre côté. Oh, cette caméra est très belle. Hop. Tous mes trucs ici. Et mes vêtements. Moi aussi. Je vais prendre ce coin tout en haut. Bah moi je vais prendre ce coin au milieu. Hop, on enlève ça. Alors, ma bouteille d'eau et ce vêtement que je dois enlever. J'arrive pas. Bon, pas grave. Hop, je vais mettre ça dans mon coin. Juste là. Mettre ça aussi. Mon téléphone et ma bouteille d'eau. Hop, et mon sac, bah je vais le mettre. J'arrive vraiment pas à enlever le vêtement du sac. J'essaye vraiment. Mais c'est pas grave. Je crois que ça bug un truc du genre. Du coup, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Et on va mettre nos sacs là-bas. Alors, moi je vais mettre tout ça ici. Mettre mes vêtements. Là. Et je dois partager avec elle le même armoire. Avec ma jumelle. Ah, j'arrive pas non plus. Le dernier vêtement, il est vraiment agaçant. Bon. Hop. Tous les jouets, tout. J'ai bloqué mon slime, non. Oh là là. On va essayer de le remettre à l'intérieur. Bon, je crois que ça bug un peu. C'est pas grave, tant que j'ai ça encore. Ma bouteille d'eau et mon jouet. Oups. Et je vais déballer ça demain peut-être. Parce que pour l'instant, je suis beaucoup trop fatiguée. Tu es tout le temps fatiguée. Hop, ma bouteille d'eau. Mes vêtements, mon éclipse, mon jouet, mon truc cute, oups, mais ah voilà, hop, mes vêtements, et mes vêtements, hop. Et voilà, et je mets ma valise au-dessus. On peut enfin regarder la télé. Au moins, je vais faire la valise à maman. Et bah, il n'y a pas trop de place. Elle va prendre celui qui est là. Et je vais bien ranger les livres. Ouais, quand je dis bien ranger, c'est bien rangé. Hein. Hop, là. Et voilà. Bah, voilà. Il est bien rangé maintenant. Oups, j'ai pas fait exprès. Ok, hop, on met ce petit truc bizarre que je ne sais pas ça sert à quoi. En fait, si je sais, mais là, je fais exprès.
Hop. Et je mets ses vêtements juste en bas. Et elle a pris 4 vêtements. En même temps, c'est que pour au moins une semaine. Genre 6 jours. Et ça reprend l'école. Enfin, c'est des mini-vacances, mais voilà, pas exagéré non plus. Hop. Et je regardais la télé avec vous. Bon, hop là, on va mettre la table d'abord. Je ne suis pas sûre que tout le monde pourra manger. Du coup, il y aura les petites qui mangeront dans le salon. Avec la télé éteinte, parce que. En fait, non. Si elle veut le regarder, bon, elle regarde. Par contre, il me faudrait deux tomates. Ouais. Iris. Oui, non? Tu pourras aller me chercher deux tomates, s'il te plaît. Oui, d'accord. Les voilà. Merci. Pas de problème. C'est bon. On va mettre la tomate là. Oups. On va pas faire brûler le livre là. Ok. Ensuite, on va mettre du fromage et de la tomate aussi. L'instant là, je suis en train de faire quatre plats différents. Hop. Du fromage aussi ici. Et il me fallait quelque chose d'autre encore. Ah, voilà, la pomme de terre. J'allais oublier la pomme de terre. Et je crois que ce sera tout. Hop. Oups, pas ça. Et voilà comment on fait. Ensuite, bah, je vais leur donner leur verre de jus d'orange. Puisque on n'a que ça. Et du lait. Oh non. On a aussi ça. Et du jus au-dessus. Mais je ne donne pas du jus le soir. Comme le jus gazé comme ça. Du coup, non, non, non. Je vais aussi en mettre là. Et dans ce petit verre là, comme ça. Hop là. Là, je viens de prendre. C'est prêt. Mais maman, il n'y a pas assez de chaises. Je sais, alors les jumelles, ils vont y aller s'asseoir dans le salon. Ouais, on pourrait regarder la télé en même temps. Vous regardez toujours la télé en même temps. Bah, c'est pas grave, de toute façon. On va encore regarder la télé maintenant. Oh. Ouais, j'ai fait celui-là pour... Voilà, Christy. Et j'ai fait cela pour Crystal. Merci. Et n'oubliez pas vos jus d'orange. Merci, maman. Merci. Hop, oula. Bon, pas grave. On va faire comme ça. Et voici ton jus d'orange. On va manger ici. Oups. Mais pourquoi ça marche pas? Ah voilà. C'était trop bon. Attends, je me le mets là. Hop. Et ça c'est fini. Et on va aller prendre la douche maintenant, parce que c'était une très grande journée. Et bah voilà. Vous allez prendre une douche. Alors chacun prend son pyjama et son et c'est tout. Ouais, c'est tout. Oups. Et je sais même pas si on a du shampoing. On n'a même pas de shampoing. Ok, c'est pas grave. On va juste faire comme ça. Oh, je croyais qu'on avait pris des peignoirs. J'ai littéralement oublié.
C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai fini. Faire ça. J'ai fini. À qui le tour? 20 minutes plus tard, on a tous fini de faire la douche. Et on a tous regardé un petit film. Bon, je crois que maintenant, ça devient un peu tard. Alors, on va aller tous dormir. Maman, j'ai oublié les groupes en fait de dormir en fait. Ah oui, bon, je vais vous le dire encore. Iris, tu dormiras avec Crystal et Christy, tu dormiras avec moi. D'accord. Viens. Oups. Et voilà. Bonne nuit. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye. Ah oui, avant de... J'oublie tout le temps. Attendez. Voilà. Avant de partir, la dédicace. Parce que maintenant, il y a plein de gens qui me disent, tu fais plus de dédicace. Oh là là, tu fais quoi? Pourquoi tu fais plus de dédicace et tout? Eh bien, parce que je fais plein de trucs et parfois j'oublie à la fin de la vidéo. Et du coup, bah, il y aura une petite nouvelle règle. Bah, les dédicaces, je les ferai tout le temps. Mais je les mettrai sur ma communauté. Et du coup, bah voilà. Et je les ferai plus sur les vidéos parce que je crois que parfois j'oublie et bah c'est un peu saoulant, on va dire. Et du coup, bah je vais le mettre sur la communauté tous les jours. Mais aujourd'hui, puisque bah voilà, bah je me suis rappelé. Bah on va le faire là maintenant. Ok, du coup, on va aller dessus, ma chaîne. Et voilà, on a les 1000,52 abonnés. Et je suis vraiment contente. Merci. Merci tout le monde. Merci, merci Mirembo. Et j'ai aussi vu, j'ai aussi remarqué. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok. J'ai aussi remarqué que j'ai eu beaucoup de vues pendant bah, ces jours-là. Et je vous remercie de regarder mes vidéos. Et vous êtes trop, trop, trop gentils. Et pour ceux qui me disent, parce que maintenant j'en ai plein qui me disent pourquoi tu fais plus de Roblox, eh bien j'ai arrêté. Et bah je vais vous le dire dans quelques fois. Du coup, voilà. Et hop, on va aller dans la Bah vous dernière et vidéo. bah vous aussi. Et hop. J'aime pas écouter ma voix parce que c'est un peu bizarre. Et ma voix, normalement, elle est pas comme ça. Mais c'est toujours bizarre que quand je fais, bah voilà. C'est un peu bizarre. Alors que c'est même pas comme ça ma voix de 1. Mais voilà, on va passer à la dédicace maintenant. Alors, tout le juste. Du coup, maintenant. Non. Maintenant, je reçois plein de commentaires qui me disent, mais c'est pas elle qui était en première, c'était moi et tout. Pourquoi tu m'as fait ça? Parfois, ici, ça ment. Comme vous pouvez le voir, bah, c'est faux. Et du coup, j'ai trouvé une solution. Alors, je vais dans ce petit bouton-là, où j'appuie de je sais pas quoi. Et tu vas sur bah, ce petit bouton. Tu vas tout en bas. Et là, tu vois la vraie personne qui a commenté en premier, et du coup, c'est Sissi, tire du bas, Tokabuka, enfin voilà quoi. Et elle m'a dit M. Ah, ça veut dire mais, ok. Mais comment t'as eu les habits et tous les autres? J'aurais répondu à vos questions si vous me posez des questions. Bah, je l'ai eu à la poste, en cadeau. Enfin, à la poste, il n'y a que des cadeaux, alors voilà quoi. Ok, on va regarder sa chaîne. Ok, alors, pas de trucs. Et elle a commencé 5 mois. Ah si, elle a des vidéos. Ok, c'est pas mal. Et elle fait aussi du Roblox sur le Brookhaven. 1 heure et 1 minute, waouh. Ça me choque quand même qu'elle a pas d'abonnés. Du coup, je vais m'abonner aussi. Et j'espère que ça te plaît. Elle a commencé en 2022. Décembre 31. Ok, bah c'est bien, je me suis abonnée, j'espère que tu es contente.
Et on se retrouve pour la prochaine.